Et rebonjour, bonjour, amis mappeurs. Voilà, donc quatrième vidéo pour l'installation du multifruit. Donc petit mea culpa de ma part. Je suis allé sur leur site officiel. Ils ont fait une mise à jour. Voilà, c'est la team. Je suis allé sur le site de la team qui a fait le mode. J'ai mis le lien en description. Donc ils ont fait une mise à jour. Voilà. Donc là, je viens d'ouvrir leur multifruit. Donc comme vous voyez, c'est bien ce qui me semblait. Donc je vous avais fait rajouter un map density map 8 type. Donc le voilà. Hein. Maintenant il est dans le mode. Le XML des fils type. Alors, je pense qu'ils ont dû rajouter certaines petites choses à la fin. Alors, est-ce qu'ils ont mis les sons? Non, ils ont toujours pas mis les sons. Bon, ça, c'est pas grave. Les sons ne sont pas mis. Qu'est-ce que c'est qui merdait? C'était le shovel. Shovel. Alors, on va y aller. Snow Crab Olive. Alors, Cheval Crab. Ah. Bon, on peut toujours pas les prendre au godet, mais donc à vous de le rajouter. Ils l'ont pas mis à jour, ça, vous voyez. C'est bête. Il me semble que c'est Cheval hein, pour la pelle. Fork, c'est pour les fourches. Donc, ils ont pas rajouté, mais bon, nous, on l'a fait. Direct cutter, c'est pas ici. Hop, je vais fermer sans sauvegarder ça. On va regarder vite fait. Donc dans le fruit type, à la fin, dans direct cutter, pourtant le clover, le rye et l'alfalfa y sont. L'alfalfa se transforme, oui, en alfalfa Windrow. Alors bon, je vais réessayer, hein, bien sûr. Tac, le map 8 density. Donc vous voyez, ils l'ont, voilà, ils ont pas mis les mêmes, mince, les mêmes choses que moi. Donc on va mettre le leur. On va alors pour mettre le leur, donc je vais dans XML, j'ouvre le mien, je descends parce que en même temps j'ai fait de l'ajout dans le mien. Donc ça, je prends le leur, je vais copier comme ça. Voilà, là c'est le dernier. Je fais copier, je vais ici et je le remplace. Remplacer, coller. Voilà. Donc là, j'ai mis le leur. Je sauvegarde. On peut fermer le map 8 density. Nous allons aller dans map XML, puisqu'il va falloir activer encore un petit quelque chose. Le map growth. Vous faites copier. Vous le copiez, vous le copiez, vous le collez avec les XML. Donc on va le coller. Hop, maintenant le map growth est là. Donc on ouvre le map XML de notre carte. Donc où est-ce qu'il est ce. Il est en vert peut-être. Le map growth, map growth. Bon. Allez, j'y vois rien là ce matin, c'est pas la peine. Tac, on fait copier. On retourne ici. On va faire un petit rechercher, coller, suivant. Voilà, il est là. Donc là, ici, ben, je rentre. Hop, non, je rentre pas comme ça, je rentre comme ça. Donc ici, je mets XML. Map cross, ok, on sauvegarde, parfait, tac, les véhicules, ils ont l'air d'être mis à jour, copier,
Donc on retourne dans Map, on va les coller ici, on fait remplacer. Alors, non, je vais même pas faire ça. Je vais prendre les véhicules là, comme ça, je les supprime et je fais coller. Voilà, comme ça, parce qu'il y avait un véhicule, vous voyez, voilà, c'est quand même plus propre. Il n'y a plus le bac XML qu'il y avait. Donc là, c'est vraiment mis à jour. Dans New Fruit, je vais supprimer les effets. Je vais faire copier. Je vais coller les effets. Voilà, le nouveau. Les fill planes, on ne sait jamais. Donc, ils n'ont pas changé. C'est pas grave. On les supprime. On met le nouveau. Copier. On colle les fill planes. Les foliage, des fois que je pense qu'ils ont changé, donc on fait copier, on supprime cela, on fait coller, comme ça, voilà, on a les nouveaux. Les HUD, bon, ça n'a pas dû changer. Round ball, square ball, donc round ball, square ball, au cas où ça aurait changé, je les ai mis là. Round et square, on les supprime et on met les nouveaux. Copier, coller. Voilà. Donc moi, il faut que j'aille dans New Fruit, dans les effets. Il faut que j'aille dans tout d'abord dans Effect. Un new fruit, je pense que je vais en trouver un par ici, de mémoire. Voilà. Copier. Je vais copier ça. Donc, Alt. Je maintiens. Je colle. J'enregistre. Donc ça, c'est fait. Celui-là est fait. Donc le motion path effect, pareil, alt, je colle, j'enregistre, ok. Alors belt, non, aussi belt, oui, non, il n'y avait rien en belt, cabbage, non, chopper, oui, chopper effect. Donc on va chercher, on va faire ça. Donc on va faire comme ça, on va faire coller. On va faire copier. On va faire remplacer ça. Je vais réenlever ça. Je viens de rajouter. Voilà. Contrôle H. Et on fait remplacer. Voilà. N'y en a pas d'autres. Donc là, on peut enregistrer. On sort. Est-ce qu'il y a un autre XML ici? Non, il n'y en a pas d'autres. Cutter. Voilà, donc là, normalement, on doit en avoir, on en a. On fait remplacer, 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 remplacer. Hop, hop, hop. Pour qu'il aille. Enfin, ça, c'est par rapport à mon type d'installation. Remplacer tout. Enregistrer. On peut sortir. Donc là, pareil, ici, remplacer tout. Il n'y en avait pas. Bon, c'est bon, il n'y en a plus. Enregistrer. Là-dedans, il y en avait. Donc remplacer tout. Voilà. Map, new free, effect, cutter, ta 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 ta.
enregistré. Donc pour les cutters, c'est bon. Mower effect. Est-ce qu'on en a? On n'en a pas. Ok. On n'a aucune. Voilà, on n'en a pas. Donc on peut sortir. Onion pick-up. Donc pick-up. Pick-up effect. On en a. On fait remplacer tout. On enregistre. On sort. Tether. Tether effect. Est-ce qu'on en a? Oui. Remplacer tout. Enregistrer, on sort le unload particule, donc non, unload on aura rien, on n'a pas de XML, header on s'en fout, windrower effect suivant, est-ce qu'on en a un? Oui, remplacer tout, enregistrer. Les fil type patatatata, strophe, voir, tac, ok, parfait. Guider, particule, tac, ok, il n'y a rien de spécial. Voilà, donc là on a fait le tour de tous les petits trucs à remplacer pour plus avoir d'erreurs en jeu. Tac, ok. Tiens, j'ai pas ouvert leur truc. Donc le ça, ok, ça c'est fait, Masenin, XML map, ok pour les balles, map script. Alors le change mode title, pas utile du tout, parce qu'on s'en fout d'avoir un mode title, c'est pas, non, il n'y a pas besoin de changer le mode title, hein. Vous laissez juste la marque que vous rajoutez pour faire bah, honneur à la team qui a créé le multifruit, hein. Les nouvelles catégories de véhicules, donc bon, ça reste inchangé. Les foliages, ça reste inchangé. Là, c'est pareil. Il parle toujours pas de gérer le converteur, donc à savoir, de toute façon, si vous changez le nombre de channels d'index et de compression, vous êtes obligé de régénérer un nouveau map identity, hein, point GDM. Bon, oui, GDM AOF PNG, voilà, si, il le dit. Voilà, il le dit ici. Voilà, en allemand. Comme quoi, on est obligé. Voilà, il parle pas du GRL le converteur, mais voilà, ça se fait avec. Voilà, donc bon, là, je crois qu'on a mis tout à jour. On va faire copier. Hop. On va coller. Ce qui m'intéresse surtout de savoir, c'est si la luzerne fait toujours chuter les FPS, là, comme. C'est pareil. Hop. Hop, on va ouvrir vite fait le log. Ah, il y a un warning. Ok, 100%. Il n'y a plus qu'un seul warning. Ah là 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 là. Numcrow state. Alors, il y a encore un problème. C'est pour le red cabbage, toujours. Ok. Et là, ah bah c'est l'Ursus, je suis con, mais ça c'est normal. Voilà, c'est un de mes modes. Ok. Allez.
On va rentrer en jeu, on va aller voir ça. Est-ce que on est bien en... Alors là, j'avais semé tous mes petits trucs déjà. C'est bizarre quand même, hein, parce que tout est mis en... Là, ils sont bien gérés par le... Voilà. Là, maintenant, ils sont bel et bien. C'est avec le petit XML qu'on a rajouté, supplémentaire. Les fruits sont bien gérés par le saison. Donc, c'est peut-être pour ça que tout n'est pas correctement en cours de croissance ou pas. On va virer le croissance saisonnière. On va accélérer le temps. Hop, on va mettre sur 360. Est-ce qu'il est mis en récolté, lui? Putain, il est toujours en récolté. Alt F4. On va faire autre chose. On va aller On va désélectionner tout. Et on va laisser juste le pack roulant. Pour avoir une bonne... Hop, démarrer. Carré. On a toujours les câbles et le rail aussi. La limite 7 du rail, on n'avait pas ça avant, je crois d'ailleurs. En warning. Et bon, ça, c'est quoi ça? Multiplier, ça, je sais pas. Et voilà, toujours le field level warning. Ok, bon. Faudra voir. Je chercherai à quoi ça correspond ces deux dernières erreurs. Alors, là, c'est prêt pour la... Alors, on va virer le mode saison. Alors, il est mis en quoi? Putain, il est mis en récolté, ce con. Ici, il est mis en fané. Il y a un problème de traduction à l'intérieur. Bon, pour le houblon, je vais chercher. Il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème avec le houblon. Vous voyez, là il est en fané. Là il est en récolté. Enfin, ça c'est juste un ordre de. Voilà. En cours de croissance pour la lavande. Donc là, on est en prêt pour récolte. Et alors, est-ce qu'on va avoir une chute de FPS en arrivant? Alors, c'est les cabbages. Ils sont toujours aussi gros, hein, franchement. Ah, bah ben non. Oh là 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 là. Allez, vous voyez? Voilà. La luzerne. Voilà, allez, on se retrouve pour une conclusion finale sur le multifruit. Donc, vous pouvez suivre l'évolution du multifruit sur le site qui est dans la description. Voilà. Vous pouvez, donc, ils ont fait une mise à jour le 25. La mise à jour, c'est toujours pas ça. Hein, on a vu donc baisse des FPS sur sur la luzerne. Donc vous allez voir, j'ai fait des essais hein, entre-temps sur le houblon. Donc le houblon, voilà, il est en prêt pour récolte, mais quand il est jeune. Donc ça, c'est des réglages à faire dans le XML du houblon. Voilà, la texture, on va aller la voir, hein, mais la texture du pavot qui est vraiment dégueulasse. Hop, on s'approche. Voilà, le pavot ici, c'est moche, c'est plat, c'est comme dans le 19. Voilà, c'est le même que dans le 19, j'ai l'impression. Exactement la même chose, il n'y a pas de relief, c'est fade. Bon, les fruits sont, les légumes sont un peu gros, hein, les oignons sont un peu gros, les carottes sont un peu grosses, mais ça, c'est bon. À la rigueur, c'est pas très grave. La luzerne, la lavande n'est pas vilaine, ça va. Elle fait pas chuter vraiment les FPS, un petit peu quand même.
Mais ça va, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Voilà. Bon, les carottes, ça va. Alors ça, les choux rouges. Bon, allez, franchement, les choux rouges et les choux blancs, là, faut laisser tomber, c'est moche. Voilà. Alors, si vous en avez le courage, vous pouvez utiliser ça comme base, et puis vous faites sauter les fruits qui vous intéressent pas. Enfin, les fruits, les cultures qui vous intéressent pas, et celles qui marchent plutôt bien, ben, celles qui marchent vraiment bien, c'est les carottes, les oignons. Voilà, tout le reste, on n'est pas sûr que ça marche correctement. Voilà, vous pouvez faire comme ça, ou attendre les mises à jour futures. Mais à l'heure actuelle, sur FS22, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ait sorti des fruits supplémentaires, il n'y a rien qui marche pour le moment. Il n'y a pas de multifruits pour l'instant sur FS22. Voilà. Ou alors c'est des maps privées, les mecs font des essais. Pour l'instant, il n'y a rien. Voilà, comme je le disais dans ma précédente vidéo, par contre, ce qui va vraiment arriver et qui va faire un malheur, j'en suis sûr, c'est le fruit TP de la TMP. Voilà, avec la map de BZH Construction, anciennement BZH Modding. Ça, c'est sûr, ça va faire un malheur, j'en suis sûr et certain. Voilà, écoutez, ben, je vous laisse, je vous souhaite un très bon week-end. Voilà. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.